Et c'est parti mon kiki pour Trency World 4, allez, Dovetail Games. C'est à refaire un petit jeu, non? Alors la dernière fois, j'avais pas pu me connecter au live pour voir où on en était dans les récompenses, mais je pense que cette fois-ci, ça regarde, on connecte la Dovetail Live. On va attendre que tout soit chargé là. L'autre fois, il y avait un petit problème de connexion. C'est bon. On va au live, vers la maîtrise. Ah, ça fonctionne, on voit ce qu'on a gagné. On va aller voir le Great Western, voilà, on a gagné le Tier 1. Tier 1 terminé, on a la récompense. Il y a un décalcomanie. Okay. Le Tier 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un scénario ou un horaire en atteignant 120 miles. Ça fait presque 200 à l'heure. Oh purée. Je crois pas que mon petit train il va y arriver, celui-là. C'est la dernière rame qu'on a fait. Un train rapide. Compléter deux scénarios ou deux horaires. Ben voilà. Ok. Ok. Bon, on va faire vers les trains, dépôt de train, horaire. On reprend notre petite classe 166 qu'on avait fait l'autre fois. On va toujours sur la Great Western Express. Et on va faire un petit scénario cette fois-ci. On a fait Oxford, London, Paddington la dernière fois. On va se faire, c'est quoi le petit? Paddington, Greenfort. Ligne de réception. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Paddington Bedouin. Ah! C'est quoi la différence? London Paddington Bedouin. Attendez, Paddington Bedouin, celui-là. Là, c'est l'autre. C'est la même ligne. Bedouin. Je vois pas ce que c'est. C'est peut-être ça continue après Paddington. Ça, c'est quoi? Greenfort, London, Paddington. Paddington, Greenfort. Y a pas un Paddington, Greenfort? Ah ben voilà, Paddington, Greenfort. On va le faire dans ce sens-là, pour faire un petit horaire. Voilà, alors on va faire un Paddington, London. Comme ça nous fera déjà un horaire de fait. London, Paddington, Greenfort. On a trois voitures. Ouh, il fait noir! Ah, c'est le soir? Oh, bah, ça va nous changer un petit peu. Ah, je vais allumer ma cabine. Les phares. Ouh là là. Jour. Il n'y a pas de nuit? Attendez, jour. Nuit. C'est bon, nuit? Ouais. Ok, j'ai les rouges. Ouh là, on a un cul-de-sac, hein. C'est des cul-de-sac bizarres, il n'y a pas de butoir. Okay. On doit aller s'arrêter à Action Main Line. On a combien? Ealing Broadway. Il y aura trois arrêts. Okay. Je vais allumer mes instruments aussi. C'était où on avait trouvé ça? Ici en dessous, non? Voilà. C'est très bien. Donc, tout ça c'est bien. La clé elle est déverrouillée. Inverseur marche avant. N'oublie plus maintenant. On est prête, là, les portes sont fermées. Il nous dit pas de les ouvrir. Il nous dit de partir. Et le feu est vert. On démarre, alors. C'est quoi la vitesse 40 à l'heure? On va polluer en dessous de, dans la, ah, elle est jolie, la gare, hein. C'est Oxford, hein, c'est ça. Ouais, elle est bien. L'arcade, là, au milieu, elle est trop belle, hein. Un peu plus de traction. Ah, regardez, on voit la sortie là. C'est belle la gare, hein. Attendez, je vais pas merder trop vite quand même parce qu'on n'a pas de reprise encore. On est sur du vert. On est à la voie 5, c'est ça. Hein. On est sur du plat. On a 6 km de route. On va bientôt avoir une reprise. C'est cool, hein? Là, on va se mettre au-dessus. Et là, le drone, on va le mettre en hauteur pour voir un petit peu ici ce qui se passe. Attention, je dois aller trop vite.
Trop bien, hein? Alors, reprise à 64 à l'heure. De mettre 5 crans alors. On est bien là. Je croyais qu'on était dans la nuit, mais non, c'est parce qu'on était à l'intérieur de la gare. C'est ça qui avait. Je vais pouvoir éteindre ma cabine, bien sûr. C'est ça qui faisait le noir. Il me semblait bien que c'était 11 h du matin. C'était bizarre, quoi. Je me dis, à moins que j'ai raté quelque chose, ce soit 11 h p.m. là. Alors on se bouffe la fumée hein, ici. On va se mettre là-bas, c'est mieux. Et ici, on a déjà plus la fumée. Attends, il y a Robert là. Salut Robert! Attention parce que là, on va frôler 64 à l'heure. On n'a toujours pas la reprise à 80. Hein. On va être patient. Il y aura même un petit 129 plus loin là. Toujours sur du vert, mais n'oublions pas qu'il y a moins de 5 km pour la destination. Là, on a la reprise à 80. Je vais peut-être mettre 5 crans. Essayer d'avancer un petit peu. Mainline. Drôle de nom, hein, Action Mainline. Ah, c'est The City, là, hein. Ah, ça descend. Voilà, plus à 129. On la voit sur le terrain, le 129. Je veux bien, moi, 129, les gars, mais dans 3 km et demi, on arrive. Hein. On va faire un petit stop. On va tirer un petit peu, puis on va se laisser aller. On va se tirer un petit 80. Allez, je suis à fond, là. Les manettes. Action mainline. On va se laisser aller. On va se laisser aller, les amis. Dans 2 km et demi, c'est déjà l'arrivée. On va faire de la conduite économique. Dans un green fort. C'est cool cette rame quand même. J'ai impatient de faire le train à grande vitesse sur cette ligne. Ça pour bientôt, encore un autre scénario avec celui-ci peut-être. On va voir. C'est vrai que je puisse rouler à 200 à l'heure, mais celui-ci peut pas faire 200 à l'heure, non, ça sert à rien. Faudrait que je passe à l'engin rapide. Je vais commencer à ralentir. Quoique 1,5 km, non, je peux encore laisser aller. Non, on commence à voir le quai hein, dans le viseur. Si on va casser la vitesse, c'est une bonne idée. Moins d'1 km l'arrivée. Oh, attendez, je vais le laisser aller là. J'avais pas vu qu'il restait 1 km, je pensais que c'était moins. Et ça monte un tout petit peu légèrement. Ça se rapproche.
Acton, ah c'est pas Action, c'est Acton Mainline. On va essayer de ralentir un tout petit peu ici. 600 mètres. Ouais, c'est bon, ça monte. Et nous allons arriver, ok, dans 400 mètres. Pas notre vitesse. On va faire l'arrêt en douceur. Hein. On a promis qu'on ferait en douceur. On va le faire. À trois voitures. On va faire l'avertissement. Ici. Oui, le quai est petit ici. Ouais, petit arrêt donc tout doux. Oh, le quai est quand même long, c'est ma rame qui est pas très longue. Mais là, il a bien fait d'arrêter là, de pas aller au bout de la rame, ça, du quai. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a la passerelle qui est derrière. C'est très bien. On est déjà en retard. C'est vrai que j'ai traîné au départ, mais tant que je comprenne ce qu'il fallait faire. Ouh, là, il y a Robert qui passe sur la voie à grande vitesse à gauche, vous avez vu? Deux verrouillons pour les passagers. Nous allons à Greenford, regardez. C'est vrai que juste près de la passerelle, c'est parfait, hein. Vraiment bien arrêté, là. Regarde un petit peu les alentours. Acton Mainline. Un drôle de nom, je crois. Bétonneuse. Monter, descendre, faites-vous plaisir, profitez-en. Il y a du monde pour mon petit train. Wow, c'est. Oh, gardez la foule. Il y a plus de gens que c'est possible. Ils viennent d'où tout cela? Tout ça, c'était dans mon train, attendez. Regardez ce truc, ces trucs de ouf. Ils étaient où tous ceux-là? Ça continue de descendre. Non? Ah non, ils sont tous descendus. Je vois personne qui monte. On verrouille les portes. C'est bon. Let's go. Nous allons à Ealing Broadway. Oh, c'est tout près. 2 km 3. Pas de 5 crans. Des constructions, hein. Énormément de constructions là, ici. C'est un peu partout là. Des travaux un peu partout ici. Ligne à 145, mais on n'aura pas trop l'occasion de le faire. Je mets toute la puissance quand même. Qu'on se lance bien. Allons à Ealing Broadway. Kilomètre 9, déjà presque le prochain quai. Il y a tous des trucs de construction un peu partout, hein, c'est fou. On va laisser aller, hein, on est déjà presque arrivé au quai. Un petit kilomètre qui reste. C'est tous les trucs de travaux un peu partout. Ah, jolie maison là. Maison comme ça me plairait bien. Quand je faisais les trains, il y avait des endroits. Je voyais des maisons super, ça c'était magnifique. J'ai repéré des belles maisons à chaque fois que je passais, j'ai regardé. Nous arrivons presque à destination. On va ra bien ralentir là parce que le quai est déjà ici tout près. Là. Ealing Broadway.
100 mètres. Sans mettre le bout de quai. Ça, t'as la passerelle. Voilà, c'est bien ça. It's perfecto. En douceur. Non. On a Ealing Broadway, il y a West Ealing. Ah, ok, c'est West Ealing qu'on a. Oh, comment ça fait le truc là? Il y a encore plein de gens dans mon train là. Oh, il y a des gens dans les rails, vous avez vu? C'est bugueux. Ah, il y en a qui montent, hein. Il y a du monde. Ça, celui, cette fois-ci, il y a beaucoup de monde. Vous vous souvenez, l'autre train qu'on avait fait, il n'y a personne. Oh, ici, c'est un train qui est blindé, hein. Cet horaire-ci, il y a du monde. Il est quelle heure? Il va être bientôt midi. Peut-être qu'ils vont dîner en ville. On est prêt à fermer les portes. Porte à gauche. On est sur du vert. Verrouillage. Décollage. C'est bon. Mettre trois crans pour démarrer d'abord. 1,4 km. Oh, mais c'est juste tout près là. C'est tout près. On va mettre les 5 crans quand même. Ah ben on est déjà presque arrivé les amis, c'est vraiment un petit circuit. Hein. Mais c'était sympathique, c'est agréable, ça me bien. Oula, bon déjà, on va déjà arriver. Attendez, 900 mètres. Moi, j'allais continuer à accélérer, mais faut pas, hein. On arrive déjà à l'église. C'est déjà le Terminux. West Ealing. Plus rien après, hein. C'est fini, hein. Je regarde s'il y a encore un arrêt. Non, c'est la destination finale. Terminus, d'ailleurs, on a le jaune et puis le rouge au bout de quai. Sur un jaune, on met le frein. Ok, c'est 40 débuts de quai, c'est pas mal. Mesdames et messieurs, nous arrivons à West Ealing, gare terminus de ce train. Mais voilà les amis, on... bon petit circuit. Par contre, là, c'est peut-être une fois le long, le très très long circuit du Nord, là. Et voilà. Arrêt en beauté. Porte à gauche.
Il y a plein de monde dans... Oh, regardez! Il y a un truc qui marche dans les rails. Ils sortent dans les rails. C'est scénario qui a... ce vieux DLC, il y a quand même pas mal de bugs. Hein. Ils ont jamais enlevé quand même. Nous sommes always stealing, les amis, voilà. Il y a pas mal de gens qui sont descendus. Oh, des gens dans ma rame, je vais aller voir. On n'est pas descendu? Hein, continue, vous croyez? Je vais voir. J'ai pas pu faire le tour de mon train. Ah, j'ai pas verrouillé les portes. C'était pour voir s'il y a une première classe. Pas eu première classe. Hein. J'ai pas vu de première classe. Ah, la couleur des sièges, c'est toujours vert vert. Vous souvenez que j'avais vu du vert clair, du vert foncé, mais c'est un reflet du soleil sur un jeu de lumière d'un côté qui faisait l'éclaircissement. Apparemment, il n'y a pas de problème. Bon, c'est tous les mêmes sièges, il n'y a pas de première classe ici. J'ai pas vu en tout cas. On va verrouiller les portes. Ah, oui, attendez. Ah si, c'est ça la première classe alors. Il y a un petit truc noir dessus. Les portes, c'est automatique. C'est first class, hein, ça. Regardez, il y a ça ici, qu'il n'y a pas sur les autres sièges. Un petit truc noir. On va reprendre position. Et on va verrouiller les portes. Je pense que ça va terminer la session. D'accord. Et voilà. Moi, j'étais éjecté de mon siège. Non, donne pas d'ignition. Ah, j'ai fait médaille d'argent parce que j'ai traîné. Hein. Ouais, je sais. C'est pas grave. Ah non, c'est d'une platine? Attends, je ne sais pas. Je prends. Revenir aux horaires, on va voir. Non, je crois que c'est une médaille d'argent. Je pense pas. Je pense que c'est un vieux DLC. Vieux DLC, c'est médaille d'or maximum. On va voir qu'est-ce qu'il raconte. Ah non, c'est une platine. C'est une médaille de platine. C'était étrange. Ok. Et alors, on va voir dans le live si ça a débloqué quelque chose. Great Western Express. Ah oui, ça a compté. Ça a compté pour un des horaires ici. Là, il faut rouler à plus de 200 à l'heure. Au moins 200 à l'heure. Donc, il faudra un train rapide. Ok, ben la prochaine fois, nous ferons un train rapide, les amis. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Ciao, ciao.